Étienne Vatelot, bonjour. Bonjour. On dit que vous êtes la star des luthiers, le luthier des stars. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est un mot qui ne me vient même pas à l'esprit, car je ne vois pas ce que le terme star en matière de luthier. La star, c'est celui qui joue, c'est celui qui interprète, ce sont des stars. Moi, je suis simplement le mécanicien, celui qui essaye de marier l'instrumentiste avec l'instrument. Ça demande certainement un métier dont on parle, mais qui est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. C'est ainsi que un luthier, bien entendu, c'est quelqu'un qui fait un violon, construit un violon, le fait, le vernit, le met au point. Donc, il y a la construction, il y a la mise au point de la sonorité, il y a l'expertise et il y a la réparation des instruments anciens. Votre programme, Étienne Vatelot, commence par Ginette Neveu, une grande violoniste française trop tôt disparue, dont vous allez nous parler tout de suite, mais vous avez choisi une transcription d'un nocturne de Chopin. Nous l'écoutons tout de suite. Voilà, la grande violoniste Ginette Neveu interprétait un arrangement pour violon et piano du très célèbre Nocturne en une dièse mineure de Frédéric Chopin. Étienne Vatelot, vous avez choisi cet extrait de Ginette Neveu en disant c'est là-dedans que l'on peut entendre, enfin une des choses en tout cas, où on peut entendre le grand style de Ginette Neveu. Tout à fait. C'est un moment d'abord très émotionnant pour moi, parce que je devais partir avec elle aux États-Unis en 1949 et différé quelques jours avant mon voyage parce que j'avais un frère qui m'a dit « Mais Ginette Neveu part aux États-Unis, mais elle doit jouer d'abord son programme à Saint-Louis avant d'aller à New York, à Carnegie Hall, qui était déjà plein. » Et mon frère m'a dit, mais donc, prends le bateau, tu arriveras en même temps qu'elle. Et c'est comme ça que je ne suis pas parti avec Ginette Neveu. Et c'est comme ça que vous êtes toujours en vie. Oui, c'est comme ça. Alors, vous comprenez que pour moi, c'est... Puisqu'elle est morte dans l'avion avec son frère et Marcel Cerdan. Oui, Marcel Cerdan. Et donc, elle avait 30 ans. Et je crois qu'elle était au sommet de son art. Elle venait de remporter le premier prix à Varsovie, devant David Oistrakh. Oui. Et Stern, Isaac, me disait toujours, tu sais, cette femme est extraordinaire.
Je crois qu'elle a une espèce de émotion naturelle qui se dégage d'elle, et il l'avait entendue avec beaucoup d'admiration. On disait qu'elle se consumait sur scène, qu'elle était... Tout à fait. Elle donnait absolument l'impression d'apporter tout ce qu'elle pouvait donner d'émotion. Je dirais presque à vous rendre quelquefois mal à l'aise, tellement on avait l'impression que ça faisait partie de son corps. Comme une sorte d'impudeur. Comme une sorte de... Oui, mais à côté de ça, une femme d'une gentillesse extrême. Et dès qu'elle arrivait à l'atelier... Je déposais mon violon chez vous, elle parlait un petit peu rapidement, comme ça, je viens de déposer mon violon chez vous, et je vais aller embrasser maman. Voilà. C'était Ginette, un personnage hors du commun, et je me souviens très bien d'un de ses derniers concerts, c'est pas le dernier concert où elle était dirigée par Charles Munch, et dans le concerto de Brahms, après la sortie de la cadence, Munch a posé la baguette et a commencé à essuyer ses larmes, sans diriger, la fin du concerto. Et je m'en souviens de plus, mon père était là, et cette salle avait reçu comme un dernier message, mais c'était véritablement ça. Et c'est ce que j'ai senti après, que d'ailleurs, quand j'en parle, je suis encore de nouveau ému quand j'entends ce Chopin. C'était véritablement la caractéristique de son style. Et de son art. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy. Étienne Vatelot, vous avez connu tous les plus grands violonistes, tous les plus grands interprètes. Un luthier, c'est évidemment celui qui règle l'instrument, mais c'est celui qui conseille, qui rassure, qui écoute. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est comme un docteur, comme un psy, peut-être aussi, ou comme un confident. Je crois que lorsqu'on a la possibilité de connaître l'instrumentiste, de savoir si d'abord il a confiance en vous, si dans le travail que doit faire tout luthier normalement, eh bien, il doit se créer obligatoirement une amitié et donc une confiance. Et cette confiance, elle ne peut venir véritablement qu'avec quelque chose de très particulier. Quand vous dites, bon, un confesseur, oui, on fait partie certainement de la vie d'un musicien. Le musicien, c'est quelqu'un qui est fragile, qui a besoin quelquefois de support. Quand il s'agit d'un concours ou d'un grand moment où il doit s'exprimer, ou pour la première fois avec orchestre dans un grand concerto, etc., il y a chez lui, évidemment... quelquefois une hantise, mais la plupart des grands musiciens sont très sensibles à ça, et il faut être à l'écoute de leurs préoccupations. Eh bien, voici, Étienne Vatelot, vos petites madeleines qui vont vous rappeler des souvenirs, des très grands, que vous allez retrouver comme ça. Voici votre première petite madeleine musicale. Le concerto de Bach, interprété par Enesco et Menuhin, oui. Le professeur et l'élève, on pourrait presque dire comme ça, le père et le fils, et il y a le Saint-Esprit qui est là, aussi Étienne Vatelot. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Enesco, vous l'avez connu? Alors, j'ai très bien connu Enesco. J'ai très bien connu Enesco parce que le beau-père de mon père était André Ecking, et André Ecking était professeur au conservatoire de violoncelle. Et il faisait partie du trio Isaïe, Pugno et King. Et Enesco était un grand ami de grand-père, et il me racontait quelquefois des histoires, dont une assez savoureuse dont je me souvenais,
Donc je me suis souvenu, un jour après un concert, il vient me voir, il me dit « Tu es le fils de Marcelino ». Marcel, c'était mon père. Je lui ai dit « Oui, maître, c'est sûr ». Il me dit « Je vais te raconter une histoire qui est arrivée quand nous jouions le double de Brahms avec André et King. Après, c'était à Bordeaux et après, il y avait un repas très somptueux qui durait très, très, très longtemps. Et à 1h du matin, ils avaient à peine commencé le dîner en question. Et ton grand-père s'est levé, il s'est adressé à la maîtresse de maison et il lui a dit « Madame, je m'excuse, mais j'ai encore une leçon à donner. » Alors ça, Enesco était tellement ravi de me raconter ça, c'est ça, il m'a raconté. Enesco, grand compositeur roumain, il était aussi violoniste, mais aussi pianiste, et chef d'orchestre, et grand professeur, puisqu'il a eu parmi ses élèves Yehudi Menuhin, qu'on entend là avec lui, Ivry Gitlis et tant d'autres. Tout à fait. Étienne Vatelot, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Étienne Vatelot, quand on est luthier, c'est quelque chose que l'on entend souvent, ça, j'imagine, le Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns. Oui. Alors Saint-Saëns, vous l'avez connu ? Eh bien, je sais que mon père m'a dit, moi je ne l'ai pas connu, mais mon père me disait, l'atelier qui est toujours rue Portalis et qui aura 100 ans cette année, c'est-à-dire mon père est entré dans cette rue Portalis qui est tout près d'ici, en 1909, et donc ça sera la 100e année de l'atelier. Donc votre atelier a connu Saint-Saëns. Alors mon atelier a connu Saint-Saëns. Mon père me disait que, évidemment, étant donné qu'il connaissait très bien Enesco, André King, il avait connu beaucoup de compositeurs, et l'atelier qui est toujours au même endroit, rue Portalis, ici, c'était la salle à manger au début de mes parents. L'atelier était au rez-de-chaussée et au premier étage, c'était la salle à manger. Et là, dans cette salle à manger, venaient dîner des compositeurs connus. Alors, il y a eu Vincent Dindy, m'a dit mon père. Il y avait Enesco, bien sûr. Il y avait Isaïe quand il venait. Il y avait, des tas de compositeurs contemporain. Mais est-ce qu'on ne se sent pas très très ému quand on sait qu'on est dans des murs où Camille Saint-Saëns est venu ? Eh bien écoutez, tout à l'heure, il y a quelques minutes, le Modigliani est venu et m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, quand on arrive dans cette salle de musique, qu'on sait le nombre de musiciens qui sont passés, le nombre de compositeurs qui sont venus là, on est un petit peu troublé et ému. Et Ivry Gitlis, il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, entrait ici et il me disait que c'est un endroit magique ici. Oui. Alors je lui ai dit oui. Combien de musiciens ? Je lui ai dit oui, beaucoup, mais des compositeurs aussi. Et quand je lui ai cité le nom des compositeurs, j'ai vu Ivry qui a commencé à pleurer. Et je comprends très bien parce que ces gens ont immédiatement pensé aux œuvres qu'ils interprétaient et savoir que dans cette salle-là venait déjeuner ou dîner maître un tel ou monsieur un tel, c'est normal. C'est très émouvant. Voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale, Étienne Vatelot. Thank you.
Eugène Isaïe. Là, c'est interprété par Laurent Corsia. Ah oui ? Ouais. Et alors, Isaïe, vous avez connu le grand Isaïe, le grand violoniste. Je ne l'ai pas connu. Moi, je suis né en 1925. J'en ai entendu parler, mais je ne me souviens pas avoir vu Isaïe. Son fils, bien sûr, bien entendu. Mais pas lui. Mon père l'a très bien connu, connaissait aussi son violon, et puis Son violon, eh bien, Isaïe? Isaïe, c'était un Guarnerius del Gesù qui est devenu, quelques années plus tard, le violon d'Isaac Stern. Ah, c'est ça. Le del Gesù d'Isaïe, c'était le violon d'Isaac, le dernier violon d'Isaac. Et il avait un autre violon de Nicolas Lupo, que l'on appelait le Stradivarius français, que j'ai connu. Alors j'ai connu le violon, les deux violons d'ailleurs, le Guarnerius et le Lupo. Guarnerius était celui d'Isaac et le Lupo avait appartenu à Gabriel Bouillon, qui était professeur au conservatoire et dont il s'est séparé pour un grand violoniste japonais qui a laissé son instrument. Étienne Valter, on va commencer tout de suite votre programme avec le Bohème de Chausson que vous avez voulu interpréter par Christian Ferras. On l'écoute et vous nous en parlez juste après. Le poème de Chausson, un extrait interprété par Christian Ferras, avec ici l'Orchestre National de Belgique, dirigé par Georges Sébastien. Christian Ferras, voilà un des plus grands violonistes que la France ait pu offrir au monde. Absolument. Sino Francescatti, Christian Ferras. Mais Ferras avait une sonorité exceptionnelle, une corde de sol, le grave, c'était comme de la soie, c'était une façon très particulière de tenir l'archet, en plus avait une technique, il avait été remarqué, vous le savez, par Karajan, qu'il a eu les enregistrements de Brahms, magnifique, magnifique instrumentiste, et un garçon que j'aimais beaucoup, mais qui était un peu fragile, d'une santé fragile, oui. Et ce qu'il a perdu, il n'a pas pu continuer ce rythme de vie. D'abord, il était ce sauvage. Je me souviens de l'avoir rencontré dans un voyage en Turquie où je faisais une tournée de conférences pour faire connaître la lutherie française en Turquie. Et quand je lui ai dit, Christian, nous pourrions aller visiter telle ou telle chose à Istanbul. Il m'a dit, oh non, moi je ne bouge pas de ma chambre. Et ça m'avait beaucoup impressionné parce que il lisait beaucoup, il lisait, mais il restait littéralement cloîtré. J'ai jamais très bien saisi pourquoi, est-ce qu'il avait besoin d'être tranquille, besoin de se recueillir, besoin de travailler, besoin de dormir, je ne sais pas. Et c'était très, très particulier. Mais j'aimais beaucoup ce garçon, et surtout un talent exceptionnel. Qu'est-ce qu'il avait comme instrument? Alors, il a eu plusieurs violons. Il a eu un violon de Stradivarius, qui s'appelait le Président. D'ailleurs, c'est une histoire assez amusante. C'est qu'un jour, il y a une dame est arrivée ici. Mon père était encore là. Moi, j'étais à l'atelier en train de travailler. Et mon père m'appelle, me dit, je voudrais que tu vois quelque chose. J'avais déjà
quelques jeunes années d'expertise, mais pas beaucoup. Et il y avait cette dame était là, une dame d'un certain âge, et un violon est ouvert, je regarde le violon, il me dit « Regarde cet instrument », et je lui dis « Mais ben, pas c'est un Strad ». Il me dit « Oui, c'est un Strad ». C'est un Stradivarius, mais cette dame ne sait pas ce qu'elle a. Alors ça, c'est plutôt le contraire en général. Beaucoup d'étiquettes, mais pas beaucoup d'autres. Et alors, mon père lui dit, écoutez, madame, d'où vient cet instrument? Et elle lui répond, mais mon mari est décédé, il habite à Bordeaux, et il m'a toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, prends mon violon et apporte-le à Monsieur Vatelot à Paris. Alors je viens. Et mon père lui dit, mais madame, c'est un violon de valeur, grande valeur, c'est un violon de Stradivarius. Et elle a répondu, ah, c'est un nom comme ça qu'il m'avait dit. C'est merveilleux, ça. C'est extraordinaire. Ce qui est dommage aujourd'hui, Maître Vatelot, c'est que finalement, les Stradivarius, les grands interprètes, ne peuvent plus se les offrir. Ils sont devenus trop chers. Oui, c'est effectivement un programme difficile à assumer quand on a fixé, d'abord, en tant qu'expert, la valeur d'un Strad, et malheureusement, les instruments ne cessent de gagner. Dès qu'il s'agit d'un objet rare, et surtout depuis qu'on s'intéresse au violon beaucoup plus qu'auparavant, que ce soit en Asie ou aux États-Unis ou ailleurs, ou en Europe, bon, il est à remarquer que les grands violonistes, d'abord, ils avaient la possibilité de s'acheter leur instrument. On a vu, connu monsieur Oistrakh ou monsieur Stern ou monsieur Francescatti se sont achetés leurs instruments parce que, évidemment, c'était dans les possibilités du moment, dans les années 50, 60, etc. Et puis, comme dans toute chose où le commerce commence à prendre le pas, à ce moment-là, sur l'aspect artistique et la spéculation arrive, à ce moment-là, les instruments montent de valeur et effectivement, les instrumentistes ne peuvent plus s'acheter un Strad, à moins que ce soit un mécène, ce qui est la plupart du temps, ça appartient à une banque, on le prête à vie. C'est autre chose. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy. Étienne Vatelot, votre programme se poursuit avec Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal, grand flûtiste que vous avez connu, qui était aussi, je crois, un homme extrêmement chaleureux. Bon, bien entendu. D'abord, c'était un talent exceptionnel. Le son de Rampal, flûtiste de grand talent, particulièrement en France, mais Jean-Pierre Rampal est celui qui a fait connaître véritablement la flûte au grand public. Il y a eu avant lui, il y a eu des Gaubert, il y a eu des gens comme ça qui étaient déjà des flûtistes réputés. Mais Monsieur Rampal père, le père de Jean-Pierre Rampal, parce que Jean-Pierre lui, il avait commencé ses études de médecine, mais il était tellement amoureux de cet instrument, la flûte, dès le début il a joué. On s'est dit, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est arrivé à Paris, il est rentré premier prêt, premier nommé, il est sorti. Mais surtout, en plus, comme c'était un homme qui s'intéressait beaucoup à l'écriture, à la composition, il connaissait tous les compositeurs, même contemporains, sur lesquels il jouait, Jolivet, les autres. Il avait un répertoire absolument extraordinaire. Et c'était un musicien né. Et donc, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le flûtiste le plus connu dans le monde. Et il a attiré l'attention, évidemment, du monde entier sur l'école française de flûte, qui n'est pas la plus mauvaise, loin s'en faut. Tout à fait. On peut dire que derrière lui, il a formé une série d'élèves de très très haut talent. Étienne Vatelot, on va écouter Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal est le père de Jean-Jacques Rampal, qui est luthier et qui vous a succédé à oui. Portalis. Oui. Mais on va l'entendre dans du Jean-Sébastien Bach. Thank you.
Voilà, Jean-Pierre Rampal à la flûte dans la polonaise de la suite numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, interprété ici par Jean-Pierre Rampal et l'orchestre de chambre Jean-François Paillard, orchestre dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, hein, qu'on a un petit bien peu... Bien dommage. C'est bien dommage, parce que quand même, Jean-François Paillard a enregistré énormément, a fait découvrir à beaucoup de monde tout le répertoire baroque. Tout à fait. Étienne Vatelot, qu'est-ce que vous pensez, vous, des instrumentistes baroques? Vous savez, ce qu'on appelle les baroqueux, ceux qui veulent jouer sur des cordes en boyau. Ça devrait vous plaire. Les cordes en boyau, c'est quand même plus proche du son original que les cordes en acier, non? Oui, c'est exact. Je vais vous répondre très franchement. Je ne suis pas un baroqueux. Pourquoi? Parce que il faut avoir, comme je vous disais, une oreille qui soit une oreille avertie. Si on commence à modifier le montage, mettre des cordes en boyau, je ne suis pas contre. Loin de là. Il y a une fragilité des cordes, ça c'est indiscutable, une justesse plus difficile également à obtenir, mais ceci regarde les baroqueux. Mais quand on a commencé à faire une carrière il y a 50 ans et qu'on a commencé à comprendre comment régler un Stradivarius, comment régler un Galliano ou un instrument de cette époque, il est très difficile de pouvoir faire les deux choses à la fois. À ce moment-là, je crois que le luthier doit être lui-même un baroqueux ou avoir la possibilité de savoir monter un instrument. Moi, j'ai venu des instruments connus d'une façon baroque avec le manche original. Mais ça n'est jamais complètement original, c'est très très rare. Le manche est plus court, donc il faudrait le rallonger. La touche est plus courte aussi, donc on ne peut pas monter très haut à partir de la quatrième, cinquième position, ça devient un problème. Et puis il y a autre chose que disait Barenboim, il faut jouer sans vibrato, mais est-ce que les chanteuses, elles vibrent. Alors, que faire? Alors, il m'est posé le problème. Et je me disais que, effectivement, ça doit être aussi très difficile pour les chanteurs. Mais il y a deux choses différentes. Ou on s'occupe des instruments montés d'une façon moderne, et moi je suis très attaché à ça parce que je trouve qu'il faut défendre le violon contemporain. Le violon contemporain, les grands luthiers contemporains d'aujourd'hui ne peuvent pas monter leurs instruments avec des instruments modernes, les remonter à l'ancienne. Alors tout ceci ne me conduit pas personnellement à suivre ce chemin. Je n'en aurais pas les capacités, je serais incapable de régler une viole. Par contre, je sais que sur tel violon et tel artiste, on peut obtenir, on a toujours cette sonorité-là sur laquelle on peut se baser. Étienne Vatelot, vous venez de parler de Daniel Barenboim. Le voici, vous l'avez choisi dans votre programme. Il s'agit de Romance sans parole de Félix Mendelssohn. On va l'écouter et vous nous direz après tout le mal que vous pensez de Daniel Barenboim.
Alors, Daniel Barenboim n'est pas violoniste, ça se saurait, Étienne Vatelot. Il est extraordinaire pianiste et chef d'orchestre, mais son fils, je crois, est violoniste et il joue même comme premier violon dans son orchestre du Divan. Le Divan, oui, tout à fait. Mais Daniel, c'est un ami de très longue date. Et on ne serait qu'amoureux que des violonistes ou des violoncellistes. Heureusement, il y a Rampal, il y a Barenboim, il y en a d'autres. Mais je crois que Daniel Barenboim, c'est un cas très particulier. Et c'est Isaac Stern qui me disait, tu sais, un Barenboim, t'en trouveras un tous les demi-siècles. Et en disant cela, il pensait non seulement au pianiste remarquable, que c'est au toucher extraordinaire, à cette pensée qu'il a de la musique, qu'il habite sans arrêt, parce que j'aurais des histoires de Barenboim à raconter sur sa présence, ou dans l'orchestre, ou à côté, ou chez lui, etc. Mais son amitié date donc de nombreuses années, quand un homme comme Barenboim, qui est, traverse le monde à vitesse grand V et joue toujours aussi bien avec la même perfection, la même intensité, la même droiture, vient célébrer mon 80e anniversaire en partant de Berlin avec un avion spécial pour venir à 21h et repartir 2 heures après. Ça, c'est avec les membres du Dizan. Un grand ami, ce n'est plus qu'un grand ami, mais fait partie de ma famille, c'est important. Et quant à son talent, ça, je ne sais pas à moi d'en parler, mais chaque fois que je l'entends, je suis persuadé de sa vérité lorsqu'il joue. On avance dans votre programme, Étienne Vatelot, et on arrive maintenant à Mstislav Rostropovitch. Là encore, c'est un grand ami, ce grand violoncelliste russe qui a habité avenue Georges Mandel, à côté de pas très loin de là où Maria Callas habitait. Oui, tout à fait. Oui, j'ai connu tout à fait à ses débuts quand il est arrivé la première fois dans mon atelier. Et je raconte toujours cette histoire. Quand il ne savait pas, il parlait très peu de français. Oui. Et avec ce magnifique sourire qu'il avait, il a porté son violoncelle, l'interprète fait comprendre que Monsieur Rostropovitch, le maestro, lui ne pouvait être là que pendant 2 jours ou 3 jours au maximum, pour laisser son violoncelle à mettre au point. Effectivement, il avait besoin d'une sérieuse mise au point que j'ai fait pendant ces 3 jours en réglant la sonorité, l'âme, etc. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'avait traduit, que se passe-t-il sur l'instrument? C'est difficile jouer violoncelle, il le sent. Et alors, 3 jours après, je lui ai rendu l'instrument, il s'est mis à faire dans l'atelier, il a commencé à jouer, et puis il a regardé, et avec son grand sourire, il a dit, facile jouer violoncelle. Voilà nos premières paroles. Ça, c'est la magie du luthier. Il faut être un peu magicien quand on est luthier. Oui, mais là, il y avait vraiment un bon instrument. Un motif très, très important de pouvoir, évidemment, changer les choses, parce qu'effectivement, il y avait des hauteurs de cordes tout à fait anormales, un chevalet trop épais, il était mal placé, mais il jouait aussi bien avec cet instrument-là. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire chez ces instrumentistes, parce que bien sûr qu'on règle l'instrument, bien sûr on fait de notre mieux pour le connaître, pour ne pas faire de bêtises, mais les instrumentistes et les grands instrumentistes, ce sont eux qui jouent. Moi, je ne fais que le petit ajustage. Est-ce qu'il est encore en vente ou est-ce qu'il a été acheté le célèbre instrument de Rostropovitch? L'instrument de Rostropovitch, il doit être à Moscou. Et en tout cas, je sais que c'est Galina Vishnevskaya et ses enfants ont gardé le violoncelle. Ouais. Donc ils ne veulent pas le vendre? Ça n'est pas à moi de répondre, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit à ce sujet. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet instrument? C'est un instrument qui était aux États-Unis dans la collection d'un grand amateur qui s'appelait Warburg. Et donc, Slava a été au courant que l'instrument était à Paris, et j'ai reçu un coup de téléphone disant « Monsieur Rostropovitch demande que vous veniez à Roissy pour aller avec lui et que vous partiez à New York ». Alors j'ai demandé des explications quand même, tant de temps.
Alors il m'a expliqué, dans l'avion, rien, il avait un petit sac en plastique bleu, c'est tout ce qu'il avait avec lui, une brosse à dents. Et il m'a dit, nous allons à New York. Et à New York, un avion nous emmènera là-bas. Alors, il m'a dit, c'est pour voir violoncelle le Duport Stradivarius, 1712. Alors j'ai dit, bon, on va les voir. Alors nous avons été à New York, nous avons pris un autre avion privé pour descendre à trois quarts d'heure de New York. Et puis je me suis trouvé dans une salle peu éclairée, il y avait une demi-douzaine de personnes, et il y avait couché sur le sol un étui en bois de violoncelle. Alors, on ne voyait pas tellement clair, alors il n'y avait pas de table, alors je me suis mis à genoux, alors Slava me dit, toi, regardez violoncelle, dire si Stradivarius ou pas Stradivarius, si Duport ou pas Duport. Duport, c'est un instrument Duport, qui avait appartenu à Auguste Franchomme. Hein, oui, c'est ça. Le grand ami de Frédéric Chopin. C'est ça. Alors je connaissais évidemment le matin les photos de l'instrument. Alors j'ai ouvert l'instrument, j'ai vu tout de suite que c'était le Duport Stradivarius. Alors j'étais donc à genoux. Alors tout le monde attendait dans un silence. Et Slava le premier. Et j'ai fait à Slava un signe de la tête, ça voulait dire oui. Et si c'était pas ça, ça voulait dire j'avais de la tête, je faisais non. Alors j'ai fait un grand oui, et alors l'atmosphère s'est détendue. On est reparti avec l'instrument. Voilà un extrait du deuxième mouvement du concerto pour violoncelle de Dvorak, interprété par Mstislav Rostropovitch, la Philharmonie tchèque dirigée par Vaclav Talíš, ah oui. Un enregistrement mythique. Mmh. Je vous ai choisi le deuxième mouvement, parce que c'est vrai, Étienne Vatelot, c'est vrai que Rostropovitch m'a dit un jour qu'il ne pouvait pas ni l'entendre ni le jouer sans pleurer. Mmh. C'est vraiment une page. Oui, mais je crois que le Dvorak fait partie de lui. Son expression musicale est imbriquée littéralement avec le Dvorak. Et quand il est revenu pour la première fois, après avoir été chassé de Russie, et qu'il est revenu pour la première fois pour la Perestroïka, et qu'il a joué, c'était exceptionnel, on le retrouve. Moi, quand j'entends Dvorak, j'entends Slava, bien entendu. Alors, d'autres interprétations sont maintenant un peu différentes. Mais ce que je ressens, c'est ce que j'ai entendu avec lui de plus émotionnant. Étienne Vatelot, votre programme se termine avec deux violonistes très différents, mais qui étaient amis, Isaac Stern et David Oistrakh. Et je sais qu'ils avaient une grande admiration l'un vis-à-vis de l'autre. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés à Bruxelles
et que les deux, et que je crois que les membres du KGB avaient laissé, comme par miracle, filer David Oistrakh et qu'ils ont pu se parler et ainsi bâtir une amitié qui ne s'est jamais démentie. Oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait exact. Il y avait un très grand respect, une très grande admiration réciproque entre ces deux grands artistes. Et même, je dois vous dire que je me souviens d'un jour à Londres où ils étaient là tous les deux, et Isaac m'avait dit, tu sais, David, que la porte était ouverte pour les États-Unis, il n'y a aucun problème, etc. Et je me souviens de là, puisque j'étais présent, et Oistrakh a répondu, mais tu sais, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai un fils, si je faisais cela, ça retomberait sur une famille séparée, et je te remercie de ce que tu me proposes, mais je ne peux pas accepter. Il avait beaucoup souffert, David Oistrakh, les soviétiques avaient été particulièrement durs et cruels avec lui, mais en même temps je crois qu'il avait une loyauté aussi vis-à-vis de l'Union soviétique, c'est un homme très pur, oui, très bon. Oui, tout à fait ouais. Loyal, voilà. Il savait qu'il était russe, il se comportait en russe, mais parfait, et n'a jamais été homme du billet, ni par son talent, ni par autre chose. Et en plus, il avait énormément d'humour, parce que il adorait sourire sous un aspect quand il jouait un peu rébarbatif, comme ça. Comme un empereur sévère. Avec le menton et le cou qui tremblait un petit peu. Mais sévère, pas du tout. Pas du tout. C'était un homme. Quand je dis adorable, c'est le terme. Et je me souviens d'un jour, à l'hôtel Pont-Royal à Paris, où il y avait évidemment un défilé d'instrumentistes qui voulaient le voir se faire entendre, etc. Et quand je suis arrivé, il y avait des petits qui étaient là, des petits-enfants, des petits violonistes, des vieux. Et alors, il y a un journaliste qui pose la question, alors que nous allions entrer dans le hall, pose la question, « Maître, est-ce que vous avez connu beaucoup, en regardant les jeunes, beaucoup de génies dans votre vie ?» Et David a répondu, génie, non, mes parents génie énormément. Un extrait du Mouvement lent du deuxième concerto pour violon et orchestre de Serge Prokofiev, interprété ici par David Oistrakh. Et je sens votre émotion, Étienne Vatelot. C'est ça le miracle du disque, c'est que quand des interprètes ont disparu, on peut encore
écouter leur voix, écouter leur âme, hein, à travers ces enregistrements. Tout à fait, tout à fait. C'est le contraire de ce que disait Eking, le violoncelliste, il y a près d'un siècle, qui disait « Moi, je n'enregistrerai pas, je n'aime pas la musique en conserve. » Eh bien, notre grand-père a eu tort parce que, effectivement, quand on peut réécouter ses grandes œuvres par ses interprètes, c'est exceptionnel. Votre programme va se terminer par Isaac Stern. Vous savez que Renaud Capuçon, évidemment, joue l'un de ses Stradivarius, mais il en avait d'autres. Oui, il a eu, comme je vous le disais, le violon de Isaïe, le Del Jésus d'Isaïe, et puis il a eu violon de Guarnarius Del Jésus, le dernier dont il s'est séparé, l'avant-dernier dont il s'est séparé, et c'est donc Renaud Capuçon qui le joue, qui est un violon exceptionnel, qui lui a été confié. Je suis très heureux pour lui, parce que effectivement, ce problème des instruments de grande valeur, comme vous le disiez, est difficilement surmontable pour des jeunes musiciens. Mais il est à remarquer quand même que des solutions arrivent maintenant, justement, en confiant ces instruments pour plusieurs années. Et puis je ne voudrais pas que l'on oublie qu'il y ait cette montée progressive de la lutherie contemporaine, dont on a maintenant des éléments de très haute qualité, qu'ils soient français ou étrangers, puisque maintenant, dans le concours même que j'ai créé, on trouve des prix qui ont été à des lauréats qui viennent aussi bien de France, du Japon, d'Allemagne ou de Corée ou d'ailleurs. C'est la question que j'allais vous poser, Étienne Vatelot. Est-ce que la lutherie se porte bien et est-ce que, évidemment, nous, comme en tant que Français, on voudrait savoir si la lutherie française porte toujours haut ses couleurs? Oui, elle se porte absolument très bien. L'école de Mirecourt fait toujours recette, si j'ose dire, parce que ses professeurs sont de grande qualité. Et puis, il vient dans l'école de Mirecourt maintenant des élèves étrangers qui viennent apprendre également le métier chez nous, ce qui prouve que c'est tout de même un lycée de qualité, une école de qualité. Je pense que l'année prochaine, d'ailleurs en 2010, aura lieu le prochain concours. Il y aura, j'espère, des révélations, mais le niveau actuel de la lutherie contemporaine est vraiment placé très très haut maintenant. On écoute Isaac Stern et vous nous en parlez après. Vous avez voulu l'écouter dans du Mozart. Un extrait du premier mouvement du concerto pour violon orchestre numéro 4 de Mozart, interprété ici par Isaac Stern. Le moins qu'on puisse dire, Étienne Vatelot, c'est que c'est une interprétation humaine. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, c'était véritablement ce qui a fait la force d'Isaac, c'est ce tempérament, cette espèce de profondeur. Quand je dis des profondeurs, mais je dis c'est une sonorité qui vient des tripes.
Et c'est vrai que c'est un timbre, une sonorité qui vient d'un pays. Avec douceur, avec enthousiasme, avec force, mais ça vient toujours de loin. Quand il a ses grands yeux ouverts, quand il joue comme ça, il garde toujours les yeux ouverts, et on sent ce qu'il va faire, on sent ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'il a voulu toute sa vie. D'ailleurs, c'est quelque chose de différent au point de vue d'Oistrakh. Et si vous me permettez, un jour avec Claude Santelli, il y avait un film qui était tourné, car Claude Santelli avait été beaucoup aidé à créer l'école de Mirecourt par un film. Eh bien, à la fin de l'enregistrement, le téléphone a sonné alors qu'on pliait bagages, les caméras, etc. Et au téléphone, c'était Isaac Stern. Et David, lui, Oistrakh, jouait. Il était dans l'atelier. Alors je prends le téléphone, je dis « Isaac, oui, oui, ça va, tu vas bien, oui, oui. » Et à ce moment-là, j'ai donné l'écouteur à David Oistrakh, qui avait son violon en main et qui a fait quelques notes. Et à ce moment-là, j'ai entendu au bout du fil « C'est toi, David ?» Et tout le monde sait, tous ceux qui étaient à l'atelier ont dit « Mais c'était extraordinaire de... » par le téléphone, d'avoir reconnu la façon de jouer d'Oistrakh. Ça, c'était... Ce qui prouve l'oreille extraordinaire de Stern, et ce qui prouve aussi leur très grande admiration. Exactement, c'est ça. Enfin, c'est difficile de parler de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui eux, ne sont de ce monde, grâce à Dieu, pouvons livrer, parler, va jouer prochainement d'ailleurs, mais ou Arthur beaucoup de Grumio, dont beaucoup on a beaucoup de grands parlé. Artistes qui sont proches de vous, dont vous êtes occupé, Étienne Vatelot. Oui, quand je passe dans l'atelier, que je les regarde, je pense à eux et au bonheur qu'ils m'ont apporté. Eh bien, c'est sur cette merveilleuse parole que nous allons nous séparer. Étienne Vatelot, merci d'être venu dans l'Invité Classique sur Radio Classique. Et c'est vrai que c'est un bien beau métier que vous faites. Métier, continuez à nous faire rêver et à porter haut aussi les armes de la lutherie française. Merci beaucoup.